Donc, on te dit pas. La juxtaposition de nos critiques ne suffira pas face à un gouvernement qui lui a décidé de continuer quoi qu'il en coûte. Donc il faut faire dialoguer ses forces, il faut les rapprocher. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire seulement à travers le débat de mardi du vote de confiance. Donc moi je veux envoyer le signal que dans tout le pays il faut dialoguer, agir et travailler ensemble à des solutions nouvelles. Et j'espère que la fête de l'humanité aura envoyé en grand ce signal à tout le pays. L'union de la gauche, c'est pas ringard, voilà. Ça suppose que tout le monde soit capable de bouger l'un vers l'autre. C'est pas la fusion, c'est pas Jean-Luc qui a raison contre Cambadélis ou un autre. Il y a besoin de créer ces convergences. Ce que disait Jean-Luc d'ailleurs quand il était au Parti Socialiste. Il disait « je suis pour l'union de la gauche sans exclusive ». Bah c'est pareil, voilà. Donc ils ne mettent pas d'exclusive. Voilà. Bon, Jean-Luc, il dit ce qu'il veut et ça lui appartient. Moi, je ne pense pas que la ligne d'opposition absolue au gouvernement soit très utile. Et je pense que la plupart des parlementaires écologistes, je crois, ne voteront pas la confiance, mais ne voteront pas non plus contre.